Nous devons voir et vivre ici, dans cet temple de la culture, à l'initiative de l'association DELCOM, pour communier et communiquer avec la presse sur les préparatifs du film. Un nom assez évocateur, qui est l'acronyme du Festival international de l'Okulekido. Non évocateur parce que l'OFIL a pour vocation de lier et de nouer les rapports d'un bout à l'autre. L'OFIL sert à communiquer, tel aussi le but d'un festival, car le festival sert à nouer des rapports et dénouer des conflits. C'est ce qui avait compris l'ancien président, poète et l'homme de lettres, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, en organisant le premier festival mondial des arts nègres en 1966. À Dakar, pour nouer les rapports entre l'Afrique noire et sa diaspora. Donc, le festival Okilo va relier les jeunes entre les jeunes Africains venus de différents horizons du continent pour communier dans un élan salvateur leur commune appartenance à l'Afrique, surtout en cette année 2017, décrétée par les autorités sénégalaises comme année de la culture. Mon pays, la Guinée équatoriale, que j'ai l'honneur de représenter ici, salue cette initiative qui portera, j'en suis sûr, le plaidoyer du patrimoine ontologique africain. Je vous remercie également les organisateurs pour le choix de mon pays comme invité d'honneur de ce festival qui, j'en suis sûr, va fédérer les jeunes du continent car la jeunesse et l'avenir de l'Afrique. Et l'avenir de l'Afrique.